de CGT Sud Solidaire par rapport à ce qui est arrivé ce matin. Ce matin, il y a un militant qui a été menotté sur la place publique. Il était en train de militer contre les compteurs Linky. Et on lui a reproché une vieille histoire qui date de plus d'un an, où il y a un an, il avait été en garde à vue à Toulouse à la suite de manifestations contre la loi El Khomri. Et aujourd'hui, ce matin, la police l'a alpagué et l'a menotté sur la place publique comme un grand délinquant, alors que s'il avait été simplement convoqué, il aurait été comme tout le monde, il se serait rendu comme tout le monde au commissariat. Donc, tout à l'heure, il y aura une intervention d'un militant de notre trosse. Fabien, militant libertaire, a été menotté lors de la tenue d'une table d'information sur Linky, puis placé en garde à vue au commissariat de Saint-Colombe ce matin. Que lui reproche-t-on? Le refus d'un prélèvement ADN un an après une interpellation policière. Durant le mouvement social contre la loi travail en 2016. Ce type de prélèvement visait à l'origine le fichage des délinquants sexuels et est maintenant largement utilisé au service de la répression du mouvement social. Pour cette raison, de nombreuses organisations politiques et syndicales préconisent le refus. Parmi elles, le Faucheur volontaire, le syndicat de la magistrature, Solidaire, la Confédération paysanne. Le prélèvement ADN est un des outils de la répression sociale au sein d'un arsenal qui ne cesse de s'étoffer au fil des ans. Le seul ADN que nous portons et dont nous sommes fiers est celui du refus des injustices sociales, le rejet des inégalités, le droit de décider de nos existences et de s'épanouir dans une société fraternelle. Contre la répression judiciaire et policière, solidarité avec Fabien et toutes les victimes de toutes les répressions. Donc Fabien a été libéré tout à l'heure. Il est convoqué au tribunal à Saint-Gaudens le 1er mars. Donc nous organiserons ce jour-là une solidarité et la mobilisation devra être organisée. Le 1er mars. Merci.